quel plaisir, mais quel plaisir. Une grosse mise à jour Pass of Titan, ajout d'une espèce, Armagazorus. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo et je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à faire comme eux. Voilà, à vous abonner. Et vous aurez l'immense privilège d'avoir votre pseudo écrit à côté de moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense que... Voilà, vous n'arriverez pas à dormir si vous faites pas ça. Donc faites-le si vous voulez dormir. Et surtout, vivre plus longtemps. Bref, bon, alors, du coup, on va passer... à la vidéo, trêve de bavardage incessant qui prennent un temps fou en introduction et ça c'est terrible. Les introductions, on veut qu'elles soient courtes, concises, dynamiques. Et c'est bien en disant ça que je ralentis mon introduction, c'est assez terrible quand même. Bon, passons à la suite, il faisait nuit, c'est jour maintenant. Taisez-vous tous. Donc il y a lui là. Alors il y a plusieurs espèces, hein. Il y a plusieurs sous-espèces. Il y a le Kazoï avec défense plus, l'Angulus, speed plus, spine cause bleed, c'est pas mal ça. Et ok, speed plus, damage plus, je sais pas. Oh, ça devient compliqué là de choisir les dinos. Voilà, et il y a un petit truc qui cause des dégâts dans les défenses. Let's go. Go dans le monde, c'est parti, let's go. Ok, je suis arrivé sur Zot. Il est vraiment stylé, hein. Après j'ai un peu peur au niveau de la rapidité quand même. Je pense que c'est une grosse bestiole qui court pas très vite. Ouais, ça va. Ouais, tu veux quoi, lui? En tout cas, il s'approche pas de moi. Qu'est-ce que ça? Bon, bref, what? Et on est pas fou, hein? Ah, bah, je suis plus petit que le Spino quand même. Bon, on va tester les cris. Waouh, c'est incroyable. Ensuite, cri gentil, ok. Mais ta gueule, toi! Tu vois pas que je fais des tests? Me fait attaquer? Oh bah il s'est fait piquer, tiens. Mais attends, mais gros, mais j'ai même pas d'attaque pour me défendre. Comment je fais? J'ai pas d'attaque. J'étais en train de faire un test, hein, t'abuses. Mais ouais, mais du coup je suis foutu en fait. Bah ouais, t'as bien raison, vas-y, fais tes basses œuvres. Fais tes basses œuvres, petit con. Allez, vas-y, bâtard que tu es, ce lézard là de mort. Commence bien cette vidéo. Alors, bon, il y a du monde déjà, c'est pas mal sur le serveur. Ensuite, on va tester un petit peu la vitesse. What? C'est la vitesse max, ça? Bon, en même temps, hein. Oui, c'est une grosse bestiole qui a l'air d'avoir beaucoup de stam, hein. Elle crame pas trop vite sa stam. La rotation, en vrai, elle a l'air pas si mal que ça. Elle est même très bien pour une grosse bestiole comme ça. Bon, du coup, ok, pas mal. Tout ça, pas mal. Ensuite, j'ai un truc en tête. Comme ça, je le dis là, ça n'a aucun rapport. Mais je trouve qu'en fait, ce qu'il devrait y avoir dans le jeu, c'est ici, là, personnage, avoir des stats. Le poids, la taille, des trucs comme ça. Ils mettent des dinosaures qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi, lui, je le connaissais pas. Et on n'a aucune info. Alors qu'ils veulent nous faire découvrir des dinosaures. Voilà, petite parenthèse. Bref, bon, ce qu'on va faire, on va faire les quêtes. À deux à l'heure, du coup. Ça va prendre du temps. Et on va voir les habilités, ce qu'il y a. Parce que c'est quand même le principal. Parce que là pour l'instant on a juste un punching ball vivant, un gros sac à viande. Bon bref, on y va. Ok, j'ai pu faire mes petites quêtes. Et maintenant j'ai acheté mes habilités. Alors voilà, en comparaison aux dinosaures modés, bah, les dinosaures que les développeurs sortent ont moins d'habilités. Il n'y a que ça. Tête, il n'y a qu'un coup de tête. Patte avant, bah, on peut juste écraser les gens. Voilà, c'est tout. Métabolisme, bah, il n'y a rien de particulier. Écaille, rien de particulier non plus. Et la queue, il y a une petite attaque de queue. Voilà, un petit coup de fouet comme ça, là, histoire de rafraîchir les visages des gens qui viennent vous voir. Voilà, donc en gros, il y a ça. Et c'est tout, hein. Alors, il y a la peau aussi. Est-ce que je peux pas acheter un truc stylé? J'ai ça, là. Ah, c'est payant. De toute façon, les skins, je m'en fous un peu. Donc, au pire, si c'est payant, c'est pas très grave. Alors, les coups, là, il y a quoi? Coup de tête. What? Bah, attends, mais il se... Ouais, il risque de se péter une vertèbre, hein, s'il fait ça. Ok, ensuite, coup de patte. Allez, ça, si ça casse pas des jambes. Et le coup de queue. Ok, très bien. On gère la bestiole. Vamos a castañarse. Se castagne. Pour les noms bilingues en espagnol. Bon, par contre, vous connaissez. Voilà, vous le voyez. Monte cette colline. Je suis en pleine course. Voilà, ce genre de dino, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est rapide, dynamique, puissant. Indestructible, donc en gros j'aime le dino qui n'existe pas, mais... Ouais non, ça c'est pas mon genre, hein. Y'a quoi là? Ouais, fais gaffe à... Oh, y'en a un qui dort! Mais y'en a plein là! Allez bâtard, il y a bien un coup. Ouais, je vais aller castagner tout le monde. Faites quoi là? Police! Police! C'est de la merde, ça attaque, ça a mis une heure. Tiens, prends ça. Il veut coller. Elle met une heure à partir l'attaque. Mais quoi? Mais je vais pas mourir par ces trucs là. Mais cassez-vous! Mais non, mais sérieux là? A l'aide!
La police est plus respectée de nos jours, hein, c'est grave. Hein. Il se passe quoi encore là? What? Je vais t'aider, frérot. Il veut quoi lui? Viens là, viens là. Mais je cours à deux à l'heure. Tiens, prends ça. Écrasement. Paf. Voilà. Toi, tu le tentes. J'aime pas ça. Comporte-toi bien dans les jeux vidéo. Quoi? Mais non, mais on était potes. Je vais lui casser la jambe. Dis-moi, je vais lui casser la jambe. Au secours, le barbelier. J'ai cassé la jambe, il arrive pas à me suivre. Mais fais ton attaque. Mais elle met une heure à partir l'attaque. Ah, il y a mon pote. Non. Il fait quoi? Tiens. Il veut quoi avec sa grande bouche ouverte là? Tiens, mange-toi, mange ça. What? Mais quel est cet enfer? Mais oh, il m'a tué tellement vite. En fait, le truc, c'est que l'attaque secondaire là, le coup de patte là, le problème, c'est que regardez, je peux pas la faire. Tant que je cours, je peux pas la faire. Il faut que je sois complètement immobile pour la faire. En gros, tu te fais fracasser la tronche et après, tu peux écraser les gens. Pas normal tout ça là. What, les gigas là, vous faites quoi? Tiens. Mais il court plus vite que moi. Regardez, je suis à l'arrêt. Et là, je sais pas pourquoi l'attaque est pas partie. Voilà, bon. Vengeance. Vengeance, je vais t'écraser à temps, hein. Ne bougez pas trop. Là, je peux pas la faire. Là, je peux pas la faire. Là, je peux pas la faire. Je peux pas la faire. Il faut que j'aille. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Ah, mon Dieu. Ah, GG. Voilà, tiens, prends ça. Attends, attends que je m'arrête et je fais mon attaque. Franchement, dites-vous, j'ai lancé la vidéo, je me suis dit, je vais tester le dinosaure le plus puissant qu'il ait jamais eu dans Pass of Titan. Je crois que je suis en train de tester la pire merde qu'il ait jamais eu dans Pass of Titan. Alors vraiment, il est nul, mais il est nul de chez nul. Enfin, pour l'instant, après, il va être amélioré, hein, je pense. C'est normal, dans tout jeu... Les développeurs font ça. Ils sortent un truc et après, ils voient que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Avec le vrai test du vrai gameplay des vrais joueurs, ils se rendent compte des problèmes et après, ils les modifient, ils les corrigent. C'est normal. Il n'y a pas de sarcasme dans ce que je dis. C'est normal. Toi, attends, ne bouge surtout pas. Paf! Paf! Voilà! Non! La Megalania! J'ai bien fracassé là, non? Vas-y, vas-y, Spino. Vas-y, vas-y. Vas-y, défonce-le. Attends, je reviens. Ne bougez plus, il faut que j'écrase des gens. Ok. Bah, ils ont bougé, je peux pas les écraser. Hein. Dommage. Toi, t'es mort. Cassez la colonne. Toi, là-bas aussi, je te casse, je t'écrase la tête. Genre là, normalement, c'est du one-shot. Hein. Allez, on attend un peu. Paf. Ça a pas marché? Paf! Non, Spino. Mais lâche-moi! Bon, après, quand tu arrives à la caler, l'attaque, elle a l'air vraiment très forte. Là, je suis en mouvement, je peux pas la faire. Je pouvais pas la faire. C'est là le problème, vous l'avez vu. Hein. Là, je pense que vous avez vraiment compris l'idée. J'étais quasiment à l'arrêt, mais pas vraiment 100% à l'arrêt. Je peux pas la déclencher. Un peu dommage. Je vais défendre le track. Il est en train de boire, tu vois pas? Bouge pas, bouge pas. Ok. Mais je... Je suis venu défendre votre famille. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Mais pourquoi? Je suis venu vous défendre. Mais voilà, il est mort. J'ai cassé la jambe là. Spot kill. Ça fait aucun dégât.
Voilà toi. Pourquoi je peux pas bouger là? En fait la hitbox de l'attaque elle est minuscule. Mais oh. Mais jamais il meurt la petite merde qui est en dessous de moi là. Je me fais bolosser par des trucs microscopiques. Voilà, défoncez-le. Bon, allez, c'est quoi, il a fumé tout le monde. Au bout de ma vie, il se passe quoi là? Attends, bouge pas le suco. Ne bouge pas. Mais ouais, mais voilà, mais c'est de la merde, ça attaque. Bouge pas toi. Bougez pas tous. Paf. Paf. Voilà, ça spawn kill. What? Mais quoi, je vais mourir en premier quand même. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu un petit peu ce que ça donnait. À mon avis, ce dinosaure, c'est une vraie merde. Bref, bon, je pense que ce dinosaure, il est pas... Il doit être encore modifié, hein, clairement. Pour moi, il y a des trucs qui vont pas du tout. Il est nul. Je suis désolé, t'as beau crier, mais t'es vraiment une merde. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Tchuss tout le monde.